Bon, ne lâche pas dans le virage. Ok. Là, mon gars, ça va tamponner sec. Hein. Ouais, tu m'étonnes que tout à l'heure, le mec, il me déposait. Regarde la reprise des Porsche par rapport à la fessée. Le premier rapport. Faut aller où là? À gauche. Okay. Ouh, on a fait une petite brochette là, je sais pas si vous avez vu. Car on the left. Car on the left. Car on the left. On va pas prendre le risque de prendre l'intérieur à lui. Ok. Ça s'aligne. Ouh, la féfée qui se plante. Ouh, il y a du monde là. Qui se plante sévère. Ah ouais, lui il est venu plonger direct. Il a raison. Ah ouais, mais mon gars, viens pas comme ça te jeter devant moi. Ah, le mec il s'est jeté. T'imagines, je l'aurais attrapé sur le pare-choc. Il a fait trois fois le tour de son slip. Direction Pékin, pour ceux qui ont la ref. Là, ta case là. Perso, je préfère la Porsche. Hein. De la Féfé. Je le suis. Ouais, tu connais la tour Montparnasse, ça vous paraît. Carbone, bienvenue à toi Alex, pareil, bienvenue les gars, merci pour le follow. Putain, c'est qui va la R8 et puis la Porsche en vitesse.
Heureusement qu'on a anticipé. Large. Pourquoi tu me touches? Pourquoi? C'est tout rouge dans le rétro, de fou. Avant. Putain mais mec, tu vois pas ton putain de radar là? Les mecs ils voient pas ce truc là qu'il y a quelqu'un sur la gauche, ils plongent, ils... Ça fait 2-3 fois les mecs ils checkent pas à gauche ou à droite. T'es pas en vert, t'es pas en triple screen mais... Check au moins le radar. Commenter, hein, ça sert à rien. Il y a rien à gagner. Enfin. Mais je me dis, calme-toi, calme-toi. Je me dis, il y en a, ils viennent quand même t'agacer, à te percuter comme ça, à tout va. Ça dirait, ils veulent absolument montrer que c'est les plus rapides. Mais... Calme, mon gars. Même moi qui connais même pas la bagnole ni le circuit. Je me place, j'anticipe mes freinages, regarde mon radar, j'essaie de pas déranger l'un ou l'autre. C'est pseudo-pilote 2.0 là. C'est comme tout à l'heure quand tu prends large. Pour plonger, t'as le mec qui me percute sur Barcelona au calme. Ah ouais, le plat 6 il est bon de fou. Franchement, le son est magnifique. De toute façon, sur ACC, c'était la première chose qui m'avait marqué. Le son du jeu, la bande audio, c'est un peu un race room, tu sais. Avec
avec un moteur graphique un peu plus au goût du jour, on va dire. Même si en termes d'opti, évidemment, ça reste un débat sur l'optimisation du moteur. Notamment en réalité virtuelle. Bon, bah, du coup, soit j'ai des dégâts, soit les pneus à l'arrière sont morts. Quoi ? J'ai un drive trousse là ? Ah non, c'est pas bon. Il est parti où lui ? Il arrive encore à être devant malgré son virage de camionneur. Oh, ok, d'accord. Je suis mort. Oh putain, je croyais qu'il avait fait un retour en piste. Il n'y a même pas de track limit, ok. Ceci me sied. Et là, il y en a un. Quelque chose. Ouais, un petit groupe devant, là. Ce serait bien qu'on les rattrape. Après, il est bon le terrain. Franchement, j'aime beaucoup. Hop, hop. Bon, on les rattrape tranquillement. Ah oui, un surveilleux là, c'est deux. Oh, le TC mon gars, rote un peu non? Il avait le truc coincé dans la gorge en sortie. Oh. Ah oui, je vous ai pas dit, j'ai racheté un Pimax 8KX. Et je suis tombé dans un plan, mon gars, et je vous en parlerai dans ma prochaine vidéo. Là, je suis en train de faire le commercial. Si vous voulez tout savoir, j'ai tout mis dans mon livre. Non, je le ferai dans une prochaine vidéo. Je me suis pris un 8KX là, il est encore dans le carton. Il faut que j'achète les bases par contre. Il y en a sur le bon coin, il les vend 320 balles. Le Steam VR là, 2.0. Comment j'arrive encore à être dans les mêmes temps que les tours précédents alors que je fais de la merde? Je suis plus léger. Mes freins sont vraiment pas ouf hein, parce que j'appuie fort, puis je redresse, je réappuie fort, alors que normalement tu tapes dedans et tu hop, tu fais ton dégressif pour l'inscrire correctement dans le virage. Hop, oh, le rapport de trop. J'ai failli me prendre un coup de raquette là. Il n'y a pas de track limit. Allez, allez.
pour la commu là. Au moins un dépassement de qualité. L'arrière commence quand même à dire merde à l'avant. Hein. Il y a un mec derrière moi en plus qui me rattrape. Oh, salut Seb. J'ai un dealer de casque VR, tu rigoles quoi. Elle est revenue sur lui, je sais pas ce que vous avez vu dans le rétro. Mais vous avez vu à quelle vitesse il est arrivé, le gars derrière? Calm down, tranquille. Respire, ça va bien se passer. Il reste 2 minutes, c'est quand même dommage de bousiller 20 minutes de course aux 2 dernières minutes. Hein. C'est un truc de ouf, c'est un truc de ouf. Au moment où j'allais pour aller récupérer une place, ma voiture a fait un tandem avec lui. Je crois qu'il est Porsche au bout de... au bout de 18 minutes, ça y est. Ok, nice. Rouge. Fair play, ça on aime, tu vois. J'ai fait tout à l'heure moi sur Barcelona. C'est fair play, tu déranges pas le mec. Tu sais qu'il est plus rapide. Mais tu forces pas. Mais attends, c'est fair play. Mais il m'a tamponné. Et ce soir, j'ai vraiment la poisse. Tout le monde m'a tamponné, c'est un truc de ouf. Ah, mon gars. Ah oui, tu m'étonnes avec les travers que je fais. Je m'étonne que les pneus à l'arrière, ils en peuvent plus. Ah, Olive, mais ma parole, j'aurais dû retourner 4 fois ma langue dans la bouche avant de le dire. En plus, je dis on aime ça. Bon, après, les fair play, tu vois, il m'a quand même attendu. Allez, c'est mort. J'avais de l'envoyer dans le mur, là. Salut. Oh, putain. Ouh, je crois que c'est un drapeau bleu, là, non? Pourquoi il roule doucement, lui, c'est une IA ou quoi? Ah ouais, hey, on m'a foutu des roulettes. Le tricycle à l'arrière, mon gars. Ouh, mon
mon gars, ça va être chaud si c'est les derniers du peloton. Là, ça va être quelqu'un qui va m'envoyer sur la lune. Ah mon dieu. Ah ouais, c'est chaud. Je me suis foutu dans quel groupe là? Ouh, drapeau à damier, let's go! Parce que j'en pouvais plus là! Ah ouais, mon gars! Oh merde! Désolé, je regardais le chat.